En opposant une cité parfaite, l'Athènes archaïque, à l'Atlantide qu'il juge dégénérée, il cherche à prévenir ses contemporains des dangers de la toute-puissance. Cette façon de faire peut être aussi une réflexion stratégique, en disant que si tu montes trop haut, tu vas descendre. Et quand on voit par exemple le Parthénon, quand on voit l'Acropole, quand on voit comment se construit la ville d'Athènes et ses propositions par rapport à ses perspectives stratégiques, on pourrait se dire que cette allégorie est aussi une façon de dire attention, pas trop haut, juste assez haut, juste un peu plus haut que les autres, mais pas plus. Si on reste à bas niveau, on se dit l'olivier c'est le symbole de la paix. Le problème c'est qui tient l'olivier ? Ben, c'est Athéna. Et Athéna, elle est née de la tête de Zeus armée. Et c'est la déesse de la sagesse. Donc en fait, elle sera très bonne comme déesse au niveau de la stratégie. Athènes se base sur la stratégie, Sparte se base sur la puissance. Et donc il ne faut pas se baser juste sur l'olivier et juste les outils, mais savoir qui tient cette force. Et cette force, c'est cette capacité de voir l'avenir. Donc c'était un bon choix stratégique. Les Francs, eux, resteront un peu plus de deux siècles dans le Péloponnèse. Si le souvenir du royaume de Morée s'est peu à peu effacé des mémoires, leurs châteaux ont encore longtemps servi. La présence des Francs va consolider l'idée de château, donc des positions tactiques au sein d'une grande stratégie, qui va rendre difficile l'invasion du Péloponnèse. Un château, du point de vue tactique, c'est le retardement du temps. Parce que si pour conquérir chaque château, tu as besoin de plusieurs mois, la Péloponnèse, c'est infranchissable. Négocier avec les Ottomans ou chercher des alliances à l'ouest, tel était leur grand dilemme. Au moment où on a la chute de Byzance de 1453, tout s'arrête. Donc les gens sont obligés d'aller ailleurs. À partir du moment où ils vont ailleurs, ils vont avec leurs connaissances, leur savoir, et ils vont diffuser. Donc ça va être un diffuseur très important sur le plan de l'humanité, et ça va être aussi un engendreur, finalement, de renforcement de l'aspect de la Renaissance. Et c'est pour ça aussi que la Renaissance italienne, elle précède la Renaissance en France. Il y a aussi ce phénomène, le Quattrocento, ça va être ça. Donc ce qui est important, c'est de se dire que quelque chose qui est très négatif, hein, puisque c'est vraiment la chute de Byzance, va engendrer des choses positives, parce qu'on va avoir des choses ailleurs qui vont naître et même renaître, parce qu'il y avait une continuation, mais ils n'avaient pas cet apport, ce surplus. La marine de la Révolution grecque a eu ce rôle précis à jouer. Il fallait interrompre les liaisons maritimes de l'Asie mineure vers la Grèce continentale pour empêcher le ravitaillement des troupes ottomanes. Et donc elle va venir avec ses bateaux, renforcer vraiment toutes ses structures de résistance via la mer. Elle va dépenser évidemment tout son argent, elle va être littéralement sacrifiée par rapport à cette cause. Mais ce qui est important, c'est que les Grecs vont combattre par la mer, et Bouboulina est vraiment le fer de lance de ce type de contre-attaque. À savoir que sur Terre, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on a déjà des fantassins, l'équivalent sur place par rapport aux Turcs. On ne peut pas changer les rapports de force. Mais quand c'est bateau, tout change. La Bouboulina, à bord de l'Agamemnon, se lance alors dans la bataille et coupe ainsi toute possibilité de ravitaillement. On considère que c'est un point rapide d'accès qui permet d'aller à partir de Néoplie aussi bien dans le sud que dans le nord, sans avoir de problème. Alors, déverrouiller Néoplie et le libérer, c'était fondamental. Et l'apport, justement, de Bouboulina, c'est de comprendre que c'est un point stratégique, c'est pas simplement un point tactique. Il y a d'autres victoires qui sont simplement des points tactiques. Mais un point stratégique, c'est quelque chose qui va influencer sur l'ensemble de la Révolution. Les Grecs, durant les deux premières années de la Révolution de 1821, ont fait des miracles.